Concernant la DeLorean, quant à elle, elle a subi des modifications énormes. En fait, il y avait pas mal de petites choses qui n'allaient pas. Donc, en soi, la voiture en elle-même était fiable. Mais on a fait des modifications au niveau du moteur. On a re-réglé le moteur. On a fait des modifications au niveau du châssis, des réglages du châssis et plein de petites choses qui n'allaient pas. Et du coup, maintenant, elle est officiellement pas terminée, parce que pour moi une voiture elle n'est jamais terminée, mais elle est officiellement fiable. On a fait un énorme travail sur le refroidissement, surtout aussi on a pu le voir à Volrace, on a pu rouler mais tout ce qu'on pouvait là-bas. Maintenant on a changé que des pneus et mis du carburant pendant 3 jours, et ça c'est juste parfait. Fire, bust,